OK, parfait. Au cas où ça lâcherait, fait que j'aime autant. C'est plus facile après ça de mettre ça sur YouTube. Salut! Exactement. Salut Chantal. T'es pas dans ton environnement habituel? Ben non. T'es en déplacement. Tu nous fais une vidéo ce matin. Merci. Merci d'être là. Super le fun. Bienvenue. Bien contente que tu sois là. Ghislain Lévesque, présente-toi. Dis-nous quelle est ta spécialité, toi qui viens intervenir dans le septième ciel pour la cinquième cohorte. Tu es là depuis le tout début. Ouais. Ariane, la même chose, c'est que vous ne nous lâchez pas, vous êtes toujours là, toujours présent, puis c'est très bien senti d'ailleurs de la part des élèves. Présente-toi, je te laisse cet espace pour te présenter ce matin. Ben d'abord, merci de m'inviter à nouveau. Pour moi, c'est une belle expérience, comme on l'a dit dans le passé. Ce qui m'anime, moi, Chantal, c'est des relations harmonieuses. C'est ça qui m'anime. Et puis, ce que je pratique, c'est le dialogue authentique et j'amène les gens que j'accompagne, autant dans la relation amoureuse que dans la relation amicale ou professionnelle, à se déployer d'une façon authentique avec l'autre. Je dis souvent, mon plaisir, moi, c'est d'aider les gens à oser être soi-même, même quand les autres regardent. Alors, c'est cette dimension-là que j'aborde, puis c'est ce que je veux apporter ben, au parcours que tu as si gentiment dessiné et qui nous a permis, à travers le temps, de voir des transformations incroyables. C'est ça Ah, qui est... C'est ce tellement, qui fait que je suis là encore. tellement, c'est fantastique. Hier, j'étais avec Chantal, elle nous faisait un témoignage hier soir. Mon Dieu, quelle belle transformation pour cette femme extraordinaire. C'est vraiment fabuleux. Puis elle me parlait de toi, justement. Comment est-ce que les interventions en communication bienveillante, ça l'avait marqué? Comment est-ce que ça l'avait accompagné, puis que ça l'avait fait des prises de conscience, puis des mouvements à l'intérieur? Ce qui me vient justement à te demander, qu'est-ce qui te motive tant, outre le fait que tu vois des transformations, puis tout ça, mais qu'est-ce qui te motive tant à participer? Puis je vois aussi, puis je suis touchée de ça, parce qu'il y a un enthousiasme à travers ton implication. À chaque fois, je te demande, est-ce que tu reviens? Est-ce que tu continues avec nous autres? Est-ce que, tu sais, puis tu es toujours dit, oh, moi, tant que je vais pouvoir, je vais rester là. Puis, tu as l'air d'aimer ça, puis tu as l'air d'y tenir. Puis, c'est quoi qui est là pour toi, qui vibre tant, qui fait que tu es encore présent aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. En fait, si j'écoute ce qui m'habite, c'est... y a deux choses bien distinctes, Chantal. T'sais. La première, c'est l'élan pour moi de servir. Cette dimension-là est très présente chez moi. Ça m'a... Puis j'ai pas toujours su bien le faire, dans le sens que dans mon passé, servir, c'était l'occasion de me mettre en avant, puis de démontrer à quel point j'étais beau, puis que j'étais fin, puis que j'étais bon. Aujourd'hui, je dis pas que ça m'arrive pas encore, là, mais j'arrive dans un espace où mon intention, c'est de contribuer. Et moi, mon talent, tu sais, je dis souvent à la blague, j'ai des zones de génie incroyables et j'ai des zones de non-génie très probantes aussi. Mon fils pourra en parler, ma blonde aussi, mes anciens employés, peut-être même certains de mes clients, de mes amis, de ma famille. Et ma zone de génie, en toute humilité, mais en même temps, en étant toute là, puis en assumant, c'est moi, ma capacité, c'est d'écouter au-delà des mots. C'est d'offrir une présence empathique et une écoute qui, semble-t-il, est particulière. Et ça permet aux gens de s'apaiser, puis après ça, de sentir à l'aise, d'oser, commencer à nommer, s'ouvrir, ouvrir l'huître ou faire craquer la carapace. Et ça, ben, c'est la deuxième dimension, c'est que ça correspond au Ghislain qui avait 20 ans, qui avait 25 ans, qui avait 30 ans, qui avait 35 ans même. Et un jour, en 2002, la mère de Cédric venait de partir. J'étais dans une profonde tristesse et je me suis dit, cette relation-là n'a pas fonctionné parce que peu importe ce qu'elle allait apporter, moi, je n'ai pas su apporter.
ce qui pouvait nourrir la relation. Et cette dimension-là, c'était d'accueillir l'autre, de nommer ce qui était vivant. Et je me suis dit un jour, je vais enseigner la communication bienveillante. Pas parce qu'aujourd'hui, je suis bon, mais parce que j'en ai besoin. Et finalement, je le fais encore aujourd'hui pour me rappeler à quel point la communication, c'est un art fragile. Et je suis fragile dans ma communication. Et parfois, je suis adéquat. Et parfois, je suis blessant. Et en continuant mon parcours à l'enseigner, bien, ça me permet de continuer à me parfaire. Moi, c'est une partie de toi que j'aime beaucoup, ça. T'es, à chaque fois, tu parlais de ta zone de génie, ne serait-ce ta zone de génie, ça se dit communication bienveillante, tu l'incarnes, tu l'habites. T'sais, on n'est pas des êtres parfaits, puis tu en as conscience, puis tu sais, tu n'es pas là à te péter les bretelles. T'sais. Puis c'est peut-être pour la raison pour laquelle les gens... en tout cas, à travers le programme, ont autant de facilité à connecter avec toi. C'est que tu arrives en plus, tu nous fais ça avec de l'humour. Tu sais, c'est comme... T'es super drôle. Ça casse la glace, ça casse le stress, puis t'aimes ça. C'est vraiment là, on a l'impression que t'as du fun là-dedans, ça te nourrit, t'as du plaisir à travers ça. Puis les gens ressortent de là avec une... Ils ont appris quelque chose, mais ils n'ont pas eu l'impression d'avoir été à l'école. Comment je te dirais ça? Tu as une façon d'intervenir qui est connectée à ce qui est là, qui est connectée à ce qui se passe présentement pour l'individu. Puis tu l'habites tellement. Tu habites tellement ton sujet, tu habites tellement, peut-être à cause justement de ton parcours, de ton vécu, l'importance que ça a pour toi, le fait de le marcher tous les jours, de prendre cette conscience-là constamment, à quel point c'est important la communication, puis que ça manque dans nos vies. Là, ouais. Absolument. C'est une des fuites par excellence, c'est le silence. On va fuir de différentes façons. Puis t'as une façon... un instinct aiguisé, en tout cas, de pouvoir vraiment, tu sais, détecter tout de suite ce qui se passe chez un, chez l'autre. Mais tu sais, j'aime ça, la façon que tu l'amènes. Mm. Tu sais, tu t'avances d'une façon à peau feutrée, tu sais, comme tu dis, dans ton côté féminin, tout en étant très bien assis dans ton côté masculin avec une certaine assurance et fermeté non blessante, qui est bienveillante, qui est douce. Puis c'est peut-être pour ça que ça marque autant. Puis comme je t'ai dit, on n'a pas l'impression d'être assis sur un banc d'école puis d'apprendre quelque chose. On le vit. On le vit en même temps, simplement. Fait que c'est ça qui te caractérise, toi. C'est ça que tu aimes faire. Puis écoute, tu es encourageusement humain aussi. L'art du dialogue, tu fais plein de choses. Je suis avec toi aussi là-dedans. C'est tout ce que tu fais. Tu fais plein de choses. Tu réunis les gens. Tu fais bouger les gens. Tu es impliqué. Parle-nous-en même un petit peu de ça. Oui. En fait, mon intention en venant ici, c'est pas de promouvoir courageusement humain. Mais c'est... En fait, je suis habité d'une grande croyance, Chantal. Puis cette croyance-là, c'est « Je ne suis pas ce que je sais, mais je suis ce que j'applique. » Et pour moi, j'ai eu la chance de croiser des mentors incroyables dans ma vie, mais je n'ai pas toujours été un élève incroyable. Il y a des moments où des mentors se sont présentés à moi et je n'ai pas su être un bon étudiant. Et il y a d'autres moments où les mentors se sont présentés à moi d'une posture où moi, j'étais tellement blessé que quand ils prenaient une posture haute sur moi, ça me faisait prendre une posture encore plus basse, plus petite. Je me sentais encore plus petit par rapport à cet intervenant-là. Et une des postures que j'ai envie d'incarner quand j'ai le crachoir, c'est la posture du gars qui marche le chemin. Et qui n'a pas préparé son beau discours à l'avance, quoique j'ai rien contre ceux qui ont cette aisance naturelle à faire ça. Moi, quand je donne une conférence,
je ne peux pas avoir la même conférence, pareil, avec les mêmes mots à la même place, 3, 4, 5 fois en ligne. C'est juste impossible pour moi. Je ne peux pas incarner cette rigueur-là. C'en est une zone de génie que je ne possède pas. Ma rigueur, elle se déploie autrement. Elle se déploie dans mon écoute, elle se déploie dans ma présence. Et ce que j'aime, c'est que, évidemment, j'incarne la façon dont, avec laquelle j'aime apprendre. C'est-à-dire que j'aime arriver devant le groupe, leur demander qu'est-ce qui est là, et à un moment donné, après une intervention, deux interventions, je saisis une espèce de fil d'Ariane et j'amène la conversation dans ce sens-là. Et autour de ça, on apprend les uns des autres. Bien oui, je partage des fois un petit peu d'explications sur qu'est-ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est quoi les mécanismes qui sont là, c'est quoi les paradigmes qui sont en train de se jouer, les croyances erronées, etc. Donc, il y a un peu d'enseignement, mais l'enseignement est toujours attaché à quelque chose de très concret. Et moi, c'est comme ça que j'aime apprendre. Alors, c'est ce que j'incarne dans ma façon de transmettre. C'est ça. Ça rend l'enseignement très vivant. Et puis, c'est peut-être pour ça que ça marque autant les gens aussi, parce qu'à chaque fois, tu sais, je veux dire, ça ressort beaucoup. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Tu sais, je pose la question aux élèves. Tu sais, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans le septième ciel? Et ça revient. Ça revient. Mmh. Ça revient continuellement. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était là, présent, présentement pour eux autres. Puis ils ont grandi en même temps. Tu sais. Fait que ça a été nourrissant pour chaque personne. Puis quelle gratitude envers ton implication. Merci de faire grandir mes gens, de leur offrir ce beau cadeau qui est la communication bienveillante. Si tu avais une façon de la décrire vraiment, l'image qui me vient à l'esprit, t'as Salomé, Jacques Salomé qui disait, qui représentait la relation avec un foulard, tu sais, ou une ceinture ou quelque chose comme ça, puis qui disait, toi, t'es toi, toi, t'es toi. Et la relation, bien, c'est ce fil-là qui vous réunit entre les deux. Qu'est-ce que vous allez faire pour nourrir ce fil? T'sais? Fait que lui donnait cette image-là. Ah ouais. Et j'avais trouvé ça frappant. C'est vrai que t'sais, on a tendance à fusionner, on a tendance à plus trop savoir qui on est quand on est en couple, quand on est en relation avec une autre personne, à se perdre, à s'oublier, à se. T'sais? Fait que quelle serait l'image que tu mettrais à la relation communication? Bienveillante. Ouais. Ben, j'aime beaucoup la métaphore de M. Salomé. Je pense que ça traduit vraiment très bien l'essence même de la communication bienveillante. Des fois, je l'explique autrement en demandant, mettons, quand on est en présentiel, en demandant à deux personnes de se lever face à face et de lever les bras et de se pencher un peu vers l'avant et d'appuyer les mains l'une sur l'autre. Et de réaliser qu'une relation qui n'est pas dans la bienveillance, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train de déployer de l'énergie à rester en équilibre. Et dès que l'un va pousser sur les mains de l'autre, l'autre va devoir faire un ajustement. Ce qui fait qu'on est constamment en train, entre guillemets, de dépenser de l'énergie pour essayer d'être en équilibre. Mais quand on prend du recul puis on regarde les deux personnes qui essaient d'être en équilibre, ils sont comme un tipi ou comme la pointe d'un A ou un V à l'envers. Ils sont pas en repos. Ils sont pas apaisés. Ils sont en train de travailler pour être en relation. C'est ardu. Et pour moi, la communication... Oui, c'est ça. Et au début... C'est un peu drôle, on ne s'en rend pas compte. L'un pousse, l'autre absorbe, l'autre pousse un petit peu. Je compte sur toi. Absolument. Je dépends de toi, je compte voilà. Sur toi. Sinon, mon Dieu. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oh, c'est bon. Hein? Et là, on n'est plus dans une relation qui nourrit mutuellement les personnes. On est dans une relation où on prend. Et pour moi, il y a trois niveaux de relation. Le premier niveau de relation, c'est le baby love. Hein, c'est celui qui consiste à dire « je prends dans la relation ». Je suis en relation, mais pour moi. Et l'autre est là pour servir mes besoins. Le deuxième niveau de relation, c'est un amour transactionnel. Alors, j'ai l'impression que je prends soin de toi, Chantal,
jusqu'au jour où j'ai tellement pris soin de toi et que là, c'est à ton tour de prendre soin de moi. Et qu'à ce moment-là, toi, tu vas réaliser à ce moment-là qu'on était dans une transaction. J'appelle ça écrire sur l'ardoise. Mmh. Alors, on est encore appuyés l'un sur l'autre, en train de se mettre en dette l'un par rapport à l'autre. Et finalement, il y a l'amour ultime, qui est un amour qui n'est pas facile à vivre, qui est l'amour inconditionnel et qui sous-entend que d'abord, je suis en amour inconditionnel avec moi. Et je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est le bout difficile pour moi, d'être en amour inconditionnel par rapport à moi-même. Il y a des moments où c'est tellement facile, puis d'autres moments où, mon Dieu, mon amour par rapport à moi, elle est conditionnée par rapport à j'ai fait ça, je fais ça pour José, je fais ça pour mon fils, je fais ça pour mes clients, je fais ça pour ma communauté. Et de temps en temps, je dois m'arrêter et me dire, hey, juste baisse les bras. T'as plus à t'appuyer, ils ne sont pas appuyés sur toi. Marchons maintenant côte à côte. Épaule à épaule, un devant l'autre, un derrière l'autre, face à face, dos à dos. L'important, c'est qu'on marche dans la même direction et qu'on a l'impression d'être là l'un pour l'autre. Et c'est ça la métaphore que, au-delà de celle de M. Salomé, c'est la métaphore que j'aime utiliser pour juste rappeler qu'être en relation, ce n'est pas supposé d'être énergivore. Il y a un sage, un aîné autochtone qui disait, ça m'avait marqué, qui disait, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait la question, quand est-ce que c'est le bon temps de quitter une relation? T'sais? Et de répondre, quand je sens que je n'aime plus qui je deviens dans la relation, c'est qu'il est temps de quitter cette relation. Et que par le fait même, le fait d'être bien et d'être nourri en relation, c'est quand j'aime qui je deviens dans cette relation-là. Donc, la définition d'être dans le fond dans une relation bienveillante, c'est que c'est bon pour moi, que je me nourris et je grandis à travers ça. Mais tu parlais tantôt, puis ça me ramenait moi dans mes phases de couple, tu sais. Et j'ai l'impression d'avoir passé à travers ces trois types de communication, d'amour-là, là, tu sais, que tu parles de relations, des avoirs valsés, mm-hmm. un par derrière l'autre, que des fois, dans certaines circonstances, c'est celle-là qui est là, des fois, dans d'autres circonstances, c'est celle-là qui est là, puis que, tu sais, si je ne sais pas, dans le fond, où ce que je patine, puis où ce que je patauge, je manque un peu de pouvoir sur ce que je fais aussi, là. Ouais, absolument, puis j'aime ça que tu amènes le mot pouvoir, parce que, dans le fond, la communication bienveillante, c'est l'art d'utiliser le pouvoir, justement. Et je ne me souviens pas qui disait « Le pouvoir sans l'amour, c'est une forme de tyrannie ou de domination. Et l'amour sans pouvoir, quelque part, c'est une forme de soumission. Et c'est un juste amalgame des deux qui me permet d'exercer mon pouvoir tout en le faisant enrobé d'amour, de tendresse, de bienveillance. Et la communication bienveillante prend son appui là-dedans. Et le pouvoir et l'amour, je pourrais remplacer le mot pouvoir par ego. Et je pourrais remplacer le mot amour par âme, ou soi, ou divinité, ou peu importe le mot que les gens ont envie d'utiliser. Alors, l'ego sans âme, c'est une forme de tyrannie. Et l'âme sans égo, c'est une forme de passivité, parce que l'âme sans le véhicule de l'égo ne peut pas se manifester, en tout cas pas dans mon expérience, pas dans mes croyances. Donc c'est un juste travail des deux, c'est un juste amalgame, et c'est constamment de savoir, dans la communication bienveillante, c'est de savoir, mais qui est aux commandes? Est-ce que c'est cette partie de moi qui est tendre, qui est amour, qui est bienveillance, ou c'est cette partie de moi qui veut te faire entendre raison et qui a envie que tu le reçoives et que tu l'honores et que tu le vois. Et que finalement, je ne suis plus en relation, je suis en train de dominer l'autre dans le but d'être qui je pense que je devrais être. Alors, on n'est plus dans une relation de bienveillance, et c'est ce que j'aime de ma façon, en fait, d'aborder la communication bienveillante, c'est d'amener de la conscience sur quelle posture est-ce que je suis en train d'utiliser actuellement et en quoi ça nourrit la relation.
Je trouve aussi que la façon que tu l'apportes et la façon que tu le fais, tu l'emmènes avec humour. Très souvent. Tu sais. Ouais. Bien, souvent, tu te sers de toi-même en dérision. Moi, je ne suis pas comme ça. Ou je sais que vous autres, c'est pas comme ça. Mais tu avances avec un côté où ça fait comme OK, là, je vois. Ça nous fait sortir à quelque part de notre ego, là, ou de la réaction de hey, un instant, là, de la peur du jugement aussi. T'sais. Fait que tu avances, on ne sent pas jugé. T'sais. On ne sent pas critiqué ou inférieur ou pas correct. Ou, tu sais, tu ne nous emmènes pas dans cet espace-là. Tu nous emmènes vraiment dans un espace où, quand tu fais une intervention, ça fait comme « Ah, ben oui, j'avais pas vu ça. Tu sais. J'avais pas réalisé ça. » Puis c'est « Ah, ben oui, toi. » Tu sais. Puis en même temps, tu amènes des suggestions. Tu sais, t'amènes des clés, tu amènes des outils. Puis là, ça fait que ah ben oui, j'ai pas pensé que je pouvais faire ça. Seigneur, je m'asseyais ça. T'sais, ça donne le goût de s'impliquer, ça donne le goût de changer notre façon de faire parce que ça fait que ouais, j'ai réalisé que c'était pas satisfaisant, mais que ouais, comme ça le serait. T'sais. Oui, je vais essayer ça vraiment. T'sais. Fait que ça nourrit en tout cas dans l'instant présent. C'est-tu bien résumé? Ah oui, puis écoute, ça me touche que les gens le vivent comme ça parce que c'est vraiment l'intention que je porte au moment où je m'amène. Puis j'ai eu la chance d'apprendre la communication avec des gens qui ne se sont pas placés sur un piédestal. Mais j'ai aussi eu le plaisir, un peu moins grand, de côtoyer d'autres personnes qui avaient l'intention de m'enseigner la communication, mais qui partait d'un espace où finalement je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas à l'aise d'être qui j'étais, puis de m'amener avec mes questions ou de ma mise en situation. Alors j'ai modélisé ça, tu sais, de la part de Robert, de Marcel, de Guillaume, de Jacques, de Marshall, tu sais, de juste être capable de dire ces gens-là sont capables de me recevoir avec beaucoup d'ouverture et d'empathie. Même quand moi, je pars d'un espace qui est plutôt noir et je m'en vais à la rencontre de leur lumière qui me fait voir ma propre lumière. Donc, sans prétention, c'est un peu ce que j'essaie de faire en disant, et si moi, j'étais le phare qui permettait à l'autre de voir toute sa beauté et en même temps, de peut-être mettre de l'éclairage sur des zones pour lesquelles, oups, oh, tiens, il y a un petit peu de ménage à faire ici. T'sais, ça sent pas super bon. Ouais. Là, je sais d'où ça vient. Tu nous parles souvent aussi de vulnérabilité. Tu nous parles souvent de notre côté féminin, de notre côté masculin. Tu reviens souvent avec ces termes-là. Puis, ce qui est très présent, définitivement, c'est la force et le pouvoir, dans le fond, personnel qu'on peut avoir sur nous, de la vulnérabilité. J'aimerais ça que tu nous en dises deux, trois mots, parce que c'est constant dans ton langage, dans tes enseignements. Ouais, dans, ça revient continuellement, puis ça semble être un pilier pour toi, ça, la vulnérabilité. Bien, en fait, la vulnérabilité m'apaise. La vulnérabilité me solidifie. Et pendant longtemps, j'ai pensé que la vulnérabilité, c'était une faiblesse. C'était l'art d'être faible. C'était ça, moi, que j'avais compris. Parce que plus jeune, comme garçon, je m'étais fait dire, ne sois pas vulnérable. Et pas devant un autre homme et encore moins devant une femme. Et j'ai vraiment essayé cette recette-là et elle ne m'apportait pas de la joie. Puis la définition que j'en ai aujourd'hui, puis merci à Brené Brown, qui est une grande spécialiste de la vulnérabilité. Elle a un TEDx génial sur le pouvoir de la vulnérabilité. Et avec Brené Brown, j'ai réalisé que, dans le fond, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est juste l'art de danser avec ce qui se présente. Ah, oh, c'est beau, ça. Et je ne sais pas si elle le présente comme ça, mais moi, je le résume de même. C'est l'art de danser avec ce qui se présente et c'est l'art d'accueillir ce qui va émerger. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est ça. Et la communication bienveillante, c'est ça. Et ça vient probablement t'amener une autre lumière sur pourquoi j'interviens de la façon avec laquelle j'interviens. C'est que, au lieu d'expliquer aux gens ce que c'est la vulnérabilité, moi,
je m'amène à eux en toute vulnérabilité, sachant pas du tout dans quelle direction la conversation va aller, mais aussi avec une profonde confiance qu'à l'intérieur de moi, ça va savoir quoi faire. Ça va savoir comment écouter et ça va savoir quoi dire. Alors, c'est ça la vulnérabilité pour moi. Et le « ça va savoir », c'est une façon de dire que à l'intérieur de moi, ben, il y a des parties plus sages, moins sages. Et des fois, ça s'affole. Et d'autres fois, ça s'agit, ça s'apaise, ça sait. Et c'est ça la beauté de la vulnérabilité, c'est que ça me met en contact avec tout ça. Moi, je t'écouterais des heures. C'est toujours le cas à chaque fois, parce que ça dure une heure, les rencontres. T'sais. Puis c'est toujours, ah, déjà, c'est déjà fini, c'est déjà, on est déjà rendu. c'est toujours trop court, on dirait. Quand on commence à vraiment goûter à se dire, goûter à la discussion, à la communication, mais qui est douce, qui est accueillante, qui est bienveillante, qui est pas stressante, qui ne nous met pas dans un état à « Il va-tu me juger si je dis ça? Je devrais-tu dire ça? Non, j'ose pas si... » Quand on n'est pas dans cet environnement-là et qu'on fait « J'ai le goût, tu sais, j'ai le goût de m'avancer avec ce que je porte, j'ai le goût de m'avancer avec ce que je vis parce que je sens que je vais être reçue. » Je sens que je vais pouvoir être entendue. Tu sais, ça, c'est un cadeau, mais absolument extraordinaire. C'est pour la raison pour laquelle ces rencontres-là sont si riches, sont si intéressantes et sont tellement bien menées. Merci. Tellement bien menées. Donc, tu l'incarnes très bien. Merci énormément, Ghislaine. Bienvenue. Mais, ça me fait plaisir. Pour tes interventions, pour ta présence, pour toutes tes connaissances, ton savoir, puis la façon que tu le transmets d'une façon tellement bienveillante, justement, ça fait du bien aux hommes, ça fait du bien aux gens présents, ça les aide à grandir d'une façon incroyable. Fait que lâche pas, arrête pas, arrête pas d'être qui tu es. Puis j'ai pas l'intention. De faire ce que tu fais. Si tu perds courage, viens me voir. À un moment donné, va te booster ça. Fait que j'ai beaucoup de reconnaissance envers toi, Ghislaine, puis envers ta façon d'opérer. À chaque fois que je parle de toi, je suis toujours dans plein d'admiration. Et c'est le discours que j'entends d'ailleurs aussi de toutes les interventions que tu fais, ne serait-ce au 7e ciel que dans les autres axes que tu fais. Fait que sur ce, merci. Et j'ai hâte de danser avec toi dans le 7e ciel sur cette vague de communication bienveillante. Et de ça va être bien. Vulnérabilité. Fait qu'on se rejoint bientôt. Ça recommence le 16 février. S'il y avait quelque chose que tu pourrais dire à ceux qui hésitent de s'impliquer, de se choisir, tu lancerais quelle invitation? Tu lancerais quel message à ces gens-là? Ben, en fait, spontanément, ce qu'ils montrent, c'est vivre le 7e ciel, puis ils vont découvrir plein de significations de 7e ciel. C'est le temps qu'on arrête de penser qu'on va se lever un matin puis que ça va m'être arrivé par magie. Mm. Ça n'arrive pas par magie. C'est quelque chose que je dois prendre en plan, en charge. Et c'est le temps. Vivre le 7e ciel, pour moi, c'est l'art de récupérer mon pouvoir et de l'honorer dans toute sa puissance et en même temps dans toute sa fragilité. Wow. Et ça, c'est, je pense, la plus belle façon de s'amener dans la relation à l'autre. Ouais. Chantal disait hier, dans son témoignage, elle disait « J'ai récupéré ma vie avec le 7e ciel. » Wow. C'était puissant, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. T'sais. Elle dit « J'ai récupéré ma vie. » C'est pas rien, ça. T'sais. Moi, je parle de flamme, je parle de... Elle a dit « Non, j'ai récupéré ma vie. » C'est puissant. Là, c'est très grand. C'est très grand. Fait que très hâte de recommencer, très hâte de vous revoir, de vous retrouver tout le monde, puis de repartir ce bal avec la nouvelle équipe, la nouvelle gang qui vont s'emmener vers le 7e ciel, tout le monde. Et on y va dans tous les axes. On explore chaque
jusque où vous voulez vous rendre, c'est là qu'on va se rendre parce que ça n'arrête jamais, le septième ciel, ça reste toujours ouvert. Et d'année en année, on avance, on est rendu à la cinquième cohorte. Fait que c'est le jumelage de toutes ces belles âmes-là qui continuent. Fait que c'est extraordinaire. Puis même tous les anciens de la quatrième, là, le vent que j'entends, là, c'est oh, on va être là, tu sais, la prochaine saison, j'ai hâte génial. Que ça recommence. Fait que c'est super impliqué. C'est vraiment le fun. Merci Ghislain, je te laisse aller, je te garderai pas plus longtemps. Gros bonne bisous, journée. Moi. Salut. Gros câlin à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Salut, ciao. J'ai arrêté Facebook. Bon, voilà.